Hello, les Guriens et vous qui passez par là, Maxime Acquire chez vous, pour le petit tirage du 25 mai 2022. Oh, je reste dans mes vieux jeux ici, vraiment vieux. Là, oui. Bon, alors. Très particulier, ça, c'est le Tilduik. Tarot. Petit le Normand, hein, le Wizard le Normand et le Malpertuis le Normand, c'est le même auteur. Et ça, j'ai eu la chance de trouver le ancien aussi. Allez, on y va, les amis. Peut-être prendre une petite carte pour commencer. Les énergies, une petite carte de notre ami, toujours Alcide, parce que bon, ça va bien avec le dos. Bon, on a la carte 11, on a la carte 11 qui est la carte de l'escalier. Donc ici, on est vraiment. On est vraiment dans des énergies de nouvelles énergies, de nouveaux choix, de nouvelles possibilités. C'est aussi une élévation spirituelle, professionnelle, peu importe, une élévation. On va vers la lumière. Vous voyez, on va vraiment vers la lumière. Ou alors, moi, je dirais, c'est une carte de délivrance. Soit vous allez aller vers la lumière et vers cette élévation, soit vous allez sortir de là pour échapper. Pour moi, il y a un côté lumineux et un côté plus sombre. Donc, en principe, les escaliers, ils montent là, hein, mais moi, j'ai ce côté lumineux. Mais c'est peut-être vous qui allez descendre et qui allez sortir aussi d'une emprise. D'accord? Peut-être. En tout cas, c'est parfait parce que vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous attendez. Que vous attendez, que vous désirez, de toute façon. Dans les énergies de la journée. Ok. Elles sont mélangées parce que je m'en suis servie. Elles sont à l'endroit là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, les amis? On a une victoire financière. On a une victoire financière. Mais vous avez encore un deuil à faire. Il y a encore un deuil à faire. Vraiment, on va vers la famille, vers une famille recomposée ou pas, mais avec tout, avec le bonheur, puisque on va pouvoir faire des choses, on va pouvoir acheter, on va pouvoir, etc., etc. Donc, c'est vraiment ici quelque chose de nouveau pour vous. Ou de nouveau, ou quelque chose qui revient, qui reprend place, parce que ben, les énergies ici sont super bonnes financièrement. C'est aussi un détachement de votre
pour moi, vous allez vous en sortir, vous allez vous délivrer. C'est une délivrance d'ailleurs, correspond avec. Pour, oui, vraiment, c'est le 8 d'épée. Et vraiment une délivrance. J'ai le 5 de deniers aussi. Donc, j'ai le 5 de bâton. On a vraiment 5 de deniers, 5 de bâton, 5 de coupe. Les 5, ce n'est pas des cartes chouettes. Mais je pense qu'on est en train de vaincre tout ça. Faites attention parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Il y contribue très fortement. Mais vous risquez de perdre des amis. Ou ce ne sont pas des amis parce que si vous avez de l'argent d'une manière ou d'une autre, si vous avez de l'argent, il n'y a pas de raison que les gens soient jaloux de vous. Donc voilà, celui qui est jaloux, ben, c'est que ce n'est pas un ami. On a des belles cartes, hein. On a ici des belles cartes, le 8 de deniers, on a le 10 d'épée, donc on est vraiment ici, on grandit, on avance vraiment, j'ai le 8 et puis le 9 de deniers, donc on est vraiment en train d'évoluer financièrement. Ici c'est vraiment une évolution financière, ça me parle plus de finances que d'autres choses. Et des tracas que vous aviez, regardez, on a l'as, encore l'as de deniers, donc le 8 de deniers, le 9 de deniers, le 4 de deniers, on n'a que des deniers ici, donc vraiment on est le 10, non, d'épée. On est vraiment dans des énergies de travail, dans des énergies où les choses évoluent très très fort, où vous allez pouvoir enfin ne plus être avare, ce n'est pas le bon mot, mais vous étiez vraiment vous essayez de vous mettre à l'abri de toute dépense pour justement, parce que c'est un peu dur pour le moment, mais il y a quelque chose qui va arriver et ça va vraiment bien 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 aller. Maintenant, vous devez faire des efforts aussi. Hein. D'accord? Oui. Il y a vraiment quelque chose qui va super bien se passer. J'ai des avocats ici. J'ai le jugement. J'ai le magicien. J'ai la reine d'épée. Mais enfin, moi, je vois des avocats. Je vois la justice. Et donc, pour moi, la justice va trancher. Vous allez pouvoir vraiment rebondir et repartir. Sortir libre. Attendez, parce que du coup, comme elles sont mises comme ça. Alors, petit tirage. Nous avons ici des énergies très féminines. On a ici on passe à l'action. On va vers l'abondance. On reçoit de l'abondance. On reçoit des énergies maternelles. Comme on reçoit, c'est l'impératrice, comme on reçoit des énergies paternelles avec l'empereur. Donc, vraiment ici, il y a une notion, j'allais dire de mise en garde, moi je pense plutôt une notion de protection, une notion
que ce que vous devez faire, ce que vous voulez faire, c'est bon. Et de toute façon, quelqu'un sera là pour vous guider, au cas où. Alors. Oh. Il est possible qu'il y ait un conflit suite à un vol qui va se faire ou à un vol qui a déjà été commis. Mais méfiez-vous des autres. Méfiez-vous des autres. J'ai envie de vous dire, c'est comme si vous alliez, on va. C'est comme si on va vous voler et je dis on parce que c'est vous, c'est votre mari, c'est... donc il y a une personne qui va venir, ou c'est vous qui allez essayer de retrouver ces personnes qui ont essayé de vous voler. Il va y avoir un conflit. Ou vous risquez. On va vous voler quelque chose, on vous a volé quelque chose, alors c'est peut-être de l'argent, c'est peut-être du temps, c'est peut-être. On vous a pris une personne que vous aimiez. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Mais vous allez vous venger. Bon, peut-être. Mais en tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire. Et vous allez gagner cette partie-là. D'une manière ou d'une autre, vous allez gagner cette partie-là. Mais il y aura un retour de manivelle. Peut-être que vous allez faire un sort, que sais-je. Il y aura un retour de manivelle. Donc faites le bon sort, si vous voulez. Alors, on a le 2 de denier. Où on est encore une fois... dans les hésitations. On est dans les hésitations. On a dépensé beaucoup d'argent. Et financièrement, alors, on peut y aller, hein, mais on vous demande ici de bien réfléchir avant de faire vos choix. D'accord? Alors, on était dans un état de manque, encore une fois, de manque d'argent. Pas tout le monde, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais là, j'ai quand même un manque d'argent. Peut-être que ce manque d'argent n'est pas encore arrivé, mais il peut arriver. Et vous allez du coup vous sentir... Vous allez vous sentir coincé, mais vous n'êtes pas coincé. Vous allez croire qu'on vous manipule. On vous manipule, je pense. Mais vous n'êtes pas obligé de vous faire manipuler. Vous n'avez qu'à bouger un petit peu et plus personne ne vous manipulera. Et ça, vous ne l'avez pas encore compris. Vous ne l'avez pas encore compris. Vous croyez qu'on vous manipule. Vous croyez qu'on vous lance des sorts, etc., etc. Non, non, non. C'est vous qui faites cette fixette. On a vraiment, vraiment... On a le 10 de denier et l'as de denier. Donc on commence quelque chose de... Il y a un nouveau commencement par rapport à de l'argent de toute façon, au travail, etc., etc. Et on a aussi le 10 de denier qui nous parle de la famille parfaite. De la famille équilibrée qui ne manque pas d'argent, des anciens, des nouveaux, tout le monde est là. Donc, on va vraiment vers un équilibre.
pour ces énergies-ci, de cette journée. Donc, à vous de deux decks, le 6 de denier. Donc ici, c'est le partage. C'est le partage. Peut-être que vous allez donner. Peut-être que vous allez recevoir. Mais si vous donnez, c'est pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Et si vous recevez, que vous acceptez de recevoir, c'est parce que réellement vous en avez besoin d'argent. En tout cas d'aide. Donc, voilà, c'est vraiment... C'était vraiment le dos du deck. Et puis là, je prends parce que je la vois, mais on a le chariot, donc on a la victoire. On a la victoire et la rapidité. Donc il y a des choses qui vont... Les choses vont changer assez rapidement. Voilà. Pour les énergies de cette journée. Non, franchement, c'est tout bon. Oui, c'est tout bon. Je peux voir, mais... Ok. Donc, voilà pour les énergies de général de cette journée. On va prendre le Tilduik pour faire les énergies amoureuses. J'aime bien changer un peu de tirage, c'est pas tout le temps la même chose. Il y en a qui aiment bien que ce soit toujours la même chose, mais... Moi, j'aime bien changer. Pourquoi elles sont mises en cours n'importe comment? C'est moi qui suis bête ou quoi? Je suis bête. Je suis bête. Allez, pour l'amour, on se met dedans. On se met dedans, dans les énergies de l'amour, les énergies amoureuses. Pour aujourd'hui et les jours à venir, peut-être. Ou les jours précédents aussi. Là, j'ai une protection... Alors là, j'ai une personne décédée, je dois vous le dire. J'ai une personne décédée qui vous protège. J'ai une personne décédée qui vous protège. Ça peut être une personne décédée depuis longtemps. Mais en tout cas, cette personne, elle vous protège. Elle vous dirige. Elle vous dirige. Essayez de l'entendre, cette personne. Ah oui. Waouh. Elle a des trucs à vous dire. Elle a des solutions. Elle a des... Elle doit vous guider. Elle sait vous guider. Mon Dieu. Et vous devez l'entendre, cette personne. Bon. On a de belles surprises, les amis. Alors... Nous avons quelque chose de sain au niveau de l'amour, ici. On a quelque chose de sain. C'est quoi ce... Ah, c'est mon petit. Waouh, on est dans l'abondance, ici. L'abondance arrive, on est dans l'amour, donc on va vraiment vers quelque chose de très, très heureux, de bonheur. Vous allez probablement rencontrer quelqu'un, si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes avec quelqu'un. Mais si vous êtes seul ou mal dans votre couple, il est très très possible que vous rencontriez quelqu'un dans un endroit où vous allez aller et où... Oui, dans un endroit où vous allez aller... Il y a vraiment un amour sain qui va certainement arriver vers vous.
On a... Pourquoi je la mets en bas, j'en sais rien. On a la carte de l'enfant. Je la mets là parce que c'est bon. C'est là que je dois la mettre, en fait. On a la carte de l'enfant. Okay. On a un cadeau. Alors, on a un cadeau de la part d'un enfant. On va faire un cadeau. Ah non. On a une décision. On a une décision par rapport à quelque chose de nouveau. On a une décision par rapport à des enfants. Un enfant. On a un enfant qui pourrait prendre des décisions. Mais on a aussi besoin d'avoir... de faire connaître, on a besoin de faire connaître certaines choses, et j'ai quand même ici l'homme de loi, donc il y a certainement quelque chose qui va se développer, se terminer, une décision qui va être prise par rapport à, oui, par rapport à des enfants. J'ai une révélation ici avec des enfants, ou de la part d'un enfant, j'ai une révélation. Suite à un blocage. Il y a eu aussi ici un blocage, vous, ou peut-être de par rapport à vous quand vous étiez plus jeune, et vous allez enfin en parler. Mais il y avait un blocage, mais il n'est plus. Voilà, maintenant il s'en va ce blocage. Donc vous allez pouvoir vous épanouir. Commencer quelque chose de nouveau, dévoiler certaines choses. Waouh, je n'ai même pas vu. On a la clé de la réussite ici, donc vraiment, on va prendre des décisions. Alors, il pourrait aussi s'agir d'une opération qui va réussir, mais voilà. Je ne suis pas médecin, donc il faut quand même faire tous vos examens normaux. De toute façon, il y a une solution qui va être trouvée. Il y a un gros... une grosse confiance en quelqu'un. À tel point que vous pourriez lui confier les clés de votre maison. Il y a une mise en ménage, on déménage. J'ai quand même un médecin. Alors oui, j'ai un médecin ou j'ai quelqu'un qui travaille dans le côté médical. Ça se peut aussi. Hein. Dans le domaine médical. Il y a un homme de loi de toute façon ou une femme. Hein. Qui va prendre des décisions et ces décisions seront parfaites. Donc, un nouvel amour, on dévoile quelque chose concernant la ce qui est nouveau, on va pouvoir dire que on s'envole, on va enfin créer son nid. On ne va plus cacher certaines choses. On est débloqué. Suite à quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que tout va être débloqué. Vous allez avouer, vous allez annoncer que vous allez vous marier ou vous... Vous allez annoncer ce que vous voulez, ce qui vous arrange par rapport à une situation. Ouais. Nous avons ici la lune. Effectivement, alors c'est la lame des voyants aussi. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va être mis en évidence. Quelque chose qui va être dit. Donc, les choses bougent, les amis. Il y a même un déménagement prévu ou un amour
un amour lointain. Mais l'amour est là. Voilà, l'amour est là, je vais encore en tirer une. Mais l'amour est effectivement là et il est accro. Il est accro. Donc c'est un, ça, il est possible que ce soit un amour à distance qui ne soit plus amour à distance. Donc qui soit maintenant... On va se retrouver. On va décider d'habiter ensemble. On va décider qu'il ou elle revient. D'accord ? Ce n'est pas possible de vivre en couple comme ça, loin l'un de l'autre. Écoutez, moi je trouve que c'est super beau, l'amour est ressorti, donc c'est bien. Là j'ai la lettre, donc il y a des écrits qui vont se faire. Donc pour moi, on concrétise une situation amoureuse de plein de manières. J'ai aussi la fête, on fait la fête avec des gens, donc peut-être le mariage. On va dévoiler la date du mariage. On pourrait aussi dévoiler que, oui, on pourrait dévoiler sa grossesse. Effectivement. Voilà. Je vais en rester là parce que c'est très solide. Ce qui arrive vers vous est très solide. Et sain. C'est sain. C'est l'abondance. C'est l'amour. C'est le mariage. C'est le rêve, c'est la concrétisation d'un rêve. On a la clé de la réussite. On dévoile certaines choses par rapport à des enfants ou par rapport à quelque chose qui va commencer. Ok, ben je vais en rester là. Donc, que ce soit pour votre n'importe quelle situation, ça doit vous parler. N'est-ce pas? Et puis, on va faire le oui non. Voilà. Avec le mal pertuit. Donc, du même auteur. On a le renard, pardon. Alors, oui ou non? Posez votre question fermée. Si c'est oui, c'est oui. C'est pas ça que je voulais dire. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, si l'anneau sort, c'est oui. Si la croix sort, c'est non. Pardon. Oh, on a monsieur, madame. Avec des petits soucis ici. Mais ça va s'arranger. T'es quand même un homme de loi. Encore une fois, il y a trop de monde autour de vous. Faites attention. Si vous avez vraiment, faites attention à vos amis. Faites attention. Allez, je n'interprète plus. L'encre et l'arbre. Alors, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ni oui ni non. On continue pour ceux qui veulent. Le lys. Enfin, je vais les faire aller plus vite. La clé. Ben, il est où mon anneau?
Alors c'était oui, parce que j'ai passé l'anneau, comme d'habitude. Ben oui, annulus, annulus. Voilà, donc non, non, l'anneau était là avant, donc c'est oui. C'est oui. Et puis, après, bien après, l'avant-dernière carte, c'est le nom. Alors, vous en faites ce que vous voulez, prenez ce qui vous convient, et voilà. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle... Je reçois plein de messages, c'est ça qui m'embête. Quand je suis comme ça, c'est... On dirait qu'on profite de mes énergies quand elles sont un petit peu raplapla pour me... pour me faire passer des messages et m'interrompre, en fait. Je sais pas pourquoi. Mais c'est fatigant, en fait. Vraiment. Bon, je me plains pas, j'aime bien, mais... Voilà. Bon, mes amis, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle journée et on y va pour une autre vidéo bientôt. Gros bisous.